N'ayez pas peur, c'est moi. Et oui, aujourd'hui, on va faire un crash test, c'est parti. Alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je teste une palette Action. Elle est sortie il y a plusieurs semaines. Hein. Et vu que je dois tester des nouveaux pinceaux, j'ai dit pourquoi pas cumuler les deux en même temps dans cette vidéo. Donc oui, je ne suis pas maquillée, on va se pomponner un peu parce que là, c'est la cata. Alors, j'ai reçu de la marque Freyara, je pense que ça se prononce comme ça. Un coffret de pinceaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. On va l'ouvrir ensemble. Il y avait différents coloris. Et moi, j'ai pris en rose parce que voilà, Team Barbie, Team Rose. J'adore. Alors, le coffret est comme ça, avec le nom de la marque dessus. Plutôt comme ça. Pas si vous verrez bien. Et vous avez les pinceaux dedans. C'est aimanté, en fait. C'est trop bien. Il y a un aimant. Je sais pas si vous voyez. C'est trop bien. Donc le petit coffret pour tenir vos pinceaux dedans, il est top. Le fait que ça soit aimanté, bah, moi c'est la première fois que j'ai ça, donc je trouve ça bien. Ensuite, on a les pinceaux qui sont vraiment bien emballés. Alors il y en a pas mal et il y a différents modèles, différents kits de pinceaux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Donc voilà, on a différents pinceaux. Donc je vais tous les enlever. On a celui-ci. Ça perd pas de poils, donc ça va. Regardez, ils sont trop beaux quoi. Ensuite, on a celui-ci. Et ça, c'est bien. Il faut bien les garder parce que quand vous les lavez, vous pouvez les remettre et ça maintient bien votre pinceau. Donc, tout ce système-là, vous voyez, vous le passez par en dessous. Vous lavez votre pinceau. Vous le remettez comme ça, séché. Comme ça, il reste bien en place. Donc, voilà. On a des petits, des gros. Comme ça. Hop. Je vais vous faire voir ça. Donc, ils sont tout doux. Franchement, il n'y a pas de perte de poils, rien. Je tire dessus, il n'y a rien. Vous avez pour le contouring, le blush, le teint. Vous avez de quoi bien vous maquiller. C'est un super lot et j'aime bien le rose comme ça, le rose clair. Ça rend trop bien. Ça fait pas cheap du tout. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, bien sûr. Et là, ce que je vais faire un petit maquillage avec ces petits pinceaux. Alors, j'ai pas envie de mettre de fond de teint parce que franchement, bah, je sors pas beaucoup. Hein, on est encore en confinement. Donc, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Je vais mettre une crème colorée. Une crème teintée plutôt. Déjà, on va mettre ça. Voilà. Donc, c'est une crème teintée que j'ai eue dans une Beautiful Box qui est bio. C'est celle-ci. Perso, pour la mettre, hein, vu que c'est juste une crème, je la mets avec mes doigts. Hein, écoutez, à l'ancienne. Nous, avant, il n'y avait pas autant de pinceaux, autant d'accessoires maintenant. C'est vraiment juste pour donner effet bonne mine. Et en fait, c'est pas un fond de teint, c'est une crème teintée. Voilà. Donc c'est sûr, ça cache pas les grosses imperfections, mais je m'en fous. Le but, c'est de tester vraiment la palette Action avec ces pinceaux. Donc voilà pour la crème. Donc on va tester aujourd'hui la Fab Factory que j'ai acheté à Action. Elle y est encore en ce moment, si elle vous intéresse. Voir un peu ce que ça donne. J'avais vu, sincèrement, des revues sur... Je crois que tu regrettes ta coupe de Playmobil, elle l'a testée, Tatanat. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a plein de fards, on a du rouge à lèvres, et on a des blushs, des highlighters, vous avez tout dedans. Et elle est vraiment pas chère cette palette, elle a, je crois qu'elle a moins de 4 euros. Elle est quand même pas mal, hein. On a un orangé là, mais il est magnifique. Regardez-moi cette palette de ouf. On a plein de couleurs, plein de rouges à lèvres, plein de fards. Je vais. Qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, je pars dans des tons marrons et tout. Je pense que je vais partir sur un ton orangé flashy. L'été arrive, il faut bien mettre un peu de couleur. Sachant que franchement, aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, il fait 8 degrés. Vive bientôt le mois de mai. Alors, on va partir sur un orangé. Donc, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, il est flashy, hein. Franchement. Peut-être qu'en retour caméra, pas trop, mais là, c'est ah, c'est poudreux, c'est poudreux. Eh, c'est du flashy de ouf. Ah, il est pigmenté, hein. À voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai pris un pinceau plat. Donc je vais prendre mon petit miroir d'action parce que franchement, je ne vois rien sans lunettes, je suis une vraie bigleuse. Et en retour caméra, c'est la cata. On en parle ou pas? On en parle, c'est pigmenté. Ah ouais, c'est pigmenté. Ah ouais, ça va être très 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 flashy. Alors moi, vous savez très bien, les tutos make-up, voilà, c'est pas. Voilà. C'est pas mon truc. Je kiffe me maquiller, mais je ne suis pas une chaîne make-up. Hein. Il y en a que c'est vraiment des professionnels, elles te font des trucs de ouf. Moi, quand je reproduis ce qu'elles font, c'est de la merde. Ça fait dégueulasse, donc voilà. Moi, c'est vraiment juste pour tester le maquillage en général. Et j'avoue, dans la vraie vie, tu ne te maquilles pas non plus avec des trucs flashy ou voilà. Après, vous pouvez, hein. Chacun son style, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous savez, moi qui aime bien Disney, je mets du Disney partout. Hein. Même dehors, je m'en fous. J'ai beau avoir bientôt 40 balais, on s'en fout. Vous n'avez qu'une vie, les gars. Franchement, c'est quoi cette palette de ouf? C'est un truc de fou. Après, je vais l'estomper, vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Soyons fous. Ah, oh, je sais ce que je vais faire. On va mettre du rose flashy ici. Ah ouais, on s'en fout. On met plein de couleurs. Tu veux des couleurs dans ta vie? On va en mettre. Allez, on teste le rose. Pareil, je vais le mettre entre deux. Donc voilà, c'est pas estompé, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, avec mon troisième pinceau, je vais prendre du jaune. Allez, on part sur du jaune flashy. Prendre du jaune, 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 jaune là. Voilà. Le truc, ça va faire arc-en-ciel.
D'habitude, je fais des teintes naturelles. Là, je fais complètement l'opposé, quoi. Ouais, franchement, elles sont pigmentées. Après, le but, c'est quand même d'estomper tout ça, hein, parce que là, ça fait arc-en-ciel, hein. Léna, elle est morte de rire. Ouais, on dirait un clown. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais estomper, hein, parce que là... Par contre, franchement, on peut pas dire elle est pigmentée, quoi. Elle est pigmentée. Hein. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre du eyeliner, on va mettre du mascara, tout ce qu'il faut, et je vais essayer d'estomper un peu tout ça, comme ça on verra un peu le résultat final. Hein. Le but, c'est pas un tuto make-up, on veut juste voir si la palette vaut le coup ou pas. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ça fonctionne. Donc voilà, alors j'avoue, hein, c'est flashy, c'est pas le genre de make-up que vous allez mettre tous les jours sûrement, après peut-être vous aimez ce genre de maquillage. Donc voilà, j'ai fait un dégradé de 3 couleurs, peut-être qu'on ne verra pas si bien avec cette lumière, je sais pas, là c'est peut-être un peu mieux. Donc ce qu'on va faire, on va mettre du blush, parce qu'il y a le blush. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on partirait pas sur un ton orangé? Allez, on va partir sur celui-là. On peut pas dire, elle est pigmentée, c'est un truc de fou. On va en mettre beaucoup les gars, hein. Ah ouais, elle est pigmentée, donc... Bon, je vais prendre un autre pinceau. Voilà, je vais plutôt l'estomper avec celui-là. Moi, j'utilise ce genre de pinceau pour le blush. Ça va très bien. En tout cas, juste en mettant une petite touche, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Est-ce que vous voulez que je mette du highlighter? Allez, on met du highlighter. Alors, je vais prendre ça parce que j'ai utilisé tous les petits pinceaux. Donc, on va prendre du irisé, là. Voilà. Et voilà. Truc de fou. Allez, non mais... Franchement, foncez. Même moi je suis pas une pro, bon là on va pas abuser non plus. Même moi que je suis pas une pro, vous voyez, voilà quoi. Bon bah écoutez, moi qui en mets pas trop, voilà, ça se voit, c'est un truc de dingue. Donc je vais mettre du rouge à lèvres. Alors j'ai utilisé tous mes pinceaux, on va faire à l'ancienne avec un petit coton-tige. Qu'est-ce qu'on va prendre? Sachant que c'est flashy, allez on va partir sur le orange. Donc là il y a un orange, c'est gloss je pense. Ah ouais c'est gloss, c'est voyant. On va pas en mettre plus parce que... On a les yeux quand même déjà bien chargés. Donc voilà. Je vais allumer ma ring light, peut-être vous verrez mieux. Ou pas. Ouais, c'est trop fort, mais bon. I love rock and roll. On va pas faire attention à ma coupe de cheveux, c'est un peu la cata. Donc question palette, franchement, j'en ai testé des actions. Elle est topissime, elle vaut le coup. Vous pouvez foncer celle-ci. Et ben voilà, Léna, franchement. Ouais. Donc on a l'ancienne version aussi. On en a deux comme ça. Je savais même pas qu'on en avait plusieurs. Niveau pinceau, comme vous pouvez le voir, je les ai presque tous utilisés. Ils sont topissimes, ils perdent pas leur poil, ils maquillent bien. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme je vous ai dit en début de vidéo. Si ce coffret vous intéresse ou si vous cherchez d'autres pinceaux, il y a la boutique en ligne. Mais foncez, si j'ai un code promo, je vous le mettrai, je suis pas sûre. Mais je valide ces pinceaux. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même les laver, les faire sécher. Et je vous en reparlerai sur Instagram aussi. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, c'est juste ici. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!